comment dire, la récolte de matériaux pour construire des abris, tout ça, ça me gave légèrement, mais l'exploration sous-marine, ma foi, bah, ça reste un petit truc un petit peu universel, un petit peu qui marche. Même s'il y en a, y en a pour qui c'est l'espace, bon, bah, ils ont eu No Man's Sky, ils ont pleuré, et maintenant il y a ceux qui ont l'eau, ils aiment l'eau, et donc Subnautica avec un effet d'eau. Alors certes, c'est pas si fif, mais c'est pas la même équipe, hein, on est d'accord. Build de janvier 2018, ouais, je pense que c'est le bon en effet. Niveau du son, qu'est-ce que ça donne? Peut-être baisser un petit chouïa, même si c'est jamais assez fort dans son jeu. Hop, boutique, il y a une boutique déjà, mais ça fait 4 ans que le jeu est en cours, hein, donc voilà. Et bon, on y va. Le frangé sur les libre. Ah, ils ont fait comme No Man's Sky, il y a un mode libre où voilà, sans faim ou soif. Où tu peux pas mourir, t'as pas géré la bouffe, juste l'énergie quand même. Extrême avec une vie seulement, créatif. Ah ouais, donc ils ont vraiment. Alors, est-ce que c'est No Man's Sky qui s'est inspiré d'eux? Je sais pas. Qui a commencé en premier? Ah, c'est intéressant. Écoutez, on va essayer le mode survie évidemment. Et puis après, on ira peut-être faire un tour en mode tripatouillage gratos. Parce que je vois mes enfants jouer No Man's Sky en mode créatif. Et du coup, bah c'est vrai que quand t'as pas envie de te prendre la tête, bon, c'est pas mal aussi. Alors, voyons voir cette intro. Et ce travail. Cette petite ballon. Est-ce que ça génère aléatoirement, de façon randomisée, une planète? Enfin, des fonds marins, j'imagine? Je ne sais pas. C'est vrai que moi, je serais plus l'espace que les fonds marins. Et bon, bah, LMS m'a déçu, comme vous. Hein. Tous déçus, j'ai envie de dire. À certains niveaux, il y a été un toujours. Même si maintenant, avec les mises à jour, il est fréquentable, mais il n'y a toujours pas vraiment de. Bah, de quête, enfin si, il y a une quête qui a été rajoutée mais que j'ai pas été très loin dedans, parce que toujours cette récolte de assez austère de matériaux qui est pas intéressant sur des planètes où ça se voit que c'est des bots avec une IA débile et on n'y croit pas au monde. C'est un petit peu ça le problème de NMS, c'est qu'on n'y croit pas, on voit que c'est un jeu vidéo, on voit que c'est des monstres en 3D idiots et ça donne pas envie d'explorer, parce que peu importe la grotte où vous allez, il y aura rien d'autre que peut-être un matériau quelconque, il y a rien. Ouais, il n'y a rien à explorer. C'est le problème de l'aléatoirement généré, c'est que c'est difficile de crafter quelque chose d'intéressant. Bon, bah c'est long, dites donc, la vache! Mais là, c'est le temps écoulé, mais quand est-ce que ça s'arrête en vrai? Attends, 60, non, 6, ah, pardon, j'ai rien dit! Voilà. Je pense qu'il y aura des sous-titres, j'ai pas eu le choix de les mettre ou de les enlever, les sous-titres. Pas qu'il y a un EVF parler quand même, ce serait cool. Ah ok, direct. Ah voilà, le petit sous-titrage. J'ai un extincteur sur moi, d'accord. Je peux pas regarder pour l'instant, ça tombe tout seul. Capsule de survie. On est parti. J'ai vu des petits bouts de cette intro. On passe à l'atmosphère. Ça va nous assommer ça. Ah putain. Le devin, la devinette. Ah, d'où l'intérêt d'avoir un petit extincteur des familles. Que je n'ai pas lâché. Hein. Et les énigmes sont cool, la vache, c'est propre. Ah, c'est clic droit, ça pourquoi. Ah, les effets de flamme, c'est joli, je sens que c'était. Échec, échec, hors ligne. Système de flottaison déployé. La bonne tablette du futur transparente. Pour ceux qui suivent Boulet sur Twitter. C'est la technologie débile. Ah, si je peux bouger, mais... D'accord, bah écoute, tant mieux. Quand je suis dans la tablette, je peux plus tourner la tête. J'ai la souris pour maintenir en vie. Ok. Est-ce que l'iPad a ça aussi? Ok, on peut se refaire tous les messages qu'on a eus. Capsule de survie, matériaux de base, ouais, oh, de la Javel, d'accord. Électronique, oh, ah, c'est pas mal, c'est bien classé. Outils, machine. Ok. Ouais, bah alors, je veux dire, heureusement que j'ai fait No Man's Sky avant et un petit peu la construction de base, ça va peut-être moins me faire flipper. Je sais pas, parce que là je vois ça, je suis un peu stressé, oui, il y a beaucoup de trucs là. 1, 2, 3, 4, 5, bonsoir Flynote, j'étais tryhard. Passement rapide correspondant. Ok, d'accord.
Utiliser fabricateur. Ok, je peux fabriquer des trucs, de l'eau. Eau désinfectée, ok. Ouais, mais j'ai pas ce qu'il faut. Ok. Qu'est-ce que je dois faire du coup? Ah bah oui, tout simplement. Des... Ouh. La belle raie qui vient de dire. Ouh, stylé. Merde, bien bleu. Ouais, c'est stylé, c'est stylé. C'est très bleu comme les pubs. Oh, il y a des requins là. Merde, je suis le seul survivant. C'est cool quand même, il s'est écrasé juste à côté de moi, ça fait plaisir. D'accord. Il n'y a pas vraiment de terre en vue. Est-ce que je peux me déplacer? Ok, non, je peux pas améliorer la radio. Non, je m'en fous. La réparation, puissance, batterie solaire, une sur trois de connectée, d'accord. Contenant de stockage, donc c'est le bon coffre. Alors qu'est-ce que j'ai? Fusée éclairante, ok, le petit inventaire à base de cases, on va prendre de l'eau pour boire un petit coup, et un peu de bouffe. Ok, oui, bon, c'est pas mal, on comprend. Par contre, ouais. Intégrité de la coque, ok, système de flottaison déployé. Ok, qu'est-ce que c'est ici? Fabricateur, non. Pour l'instant, j'en ai pas besoin, je dirais. Je dirais, pardon. Est-ce que j'ai une quelconque liste de... d'objectifs? Banque de données. Kit de survie. Ah mince, comme par hasard. Commencez ici. Si vous voulez, vous allez sur la question. Votre pédale doit maintenant en mode secours. Si ce n'est pas possible, d'accord. Vos dossiers personnels ont été chiffrés pour être récupérés à l'ingénieur. Ok. Administrer les premiers secours si nécessaire. Inventoriez le matériel équipement disponible et définissez les règles de rationnement. Oui, d'accord. Explorez l'environnement, la recherche de dangers potentiels, construisez l'équipement sur les essais grâce au fabricateur de votre capsule de survie. Localisez les dommages de votre capsule de survie. Ok, non, il va falloir que je répare les trucs. Localisez les autres survivants, visez votre vision, votre radio. Ouais. Technique supplémentaire. Capsule de survie à deux couchages. Ok. Combinaison de protection. Ah, bah ça je l'ai ou pas ça? Ouais, tu vois, ça m'énerve déjà. On est là. Si j'ai pas quelqu'un qui m'aide, je sais pas quoi faire. Ça m'agace. Qu'il y ait pas un minimum de trucs. Enfin, bref. Cachou en silicone, ouais, mais. Non, ça me saoule les gens. En vrai, c'est encore pire que No Man's Sky, quoi. Là, je cherche, mais faut peut-être que je la fabrique, la machine, non? Là, j'ai pas la tenue. Par le bas, allez, bah ouais, on nous vend de l'eau, on va aller voir. O2, d'accord. J'ai déjà faim, ah, gérer la faim, ça va vite me saouler. Oh, c'est bizarre là. Un champignon aussi. Ouais, c'est quand la barre est vide, hein, je suis en train de demander. Les herbes putrides, non, je peux même pas la ramasser, ça c'est bien. Ouais, voilà, donc déjà Flydot, déjà ça va me gaver. Si pour une version 1.1 ils ont pas sorti un minimum de trucs, on va aller se balader là-dessus. Je peux pas speeder, non? Je peux pas speeder, attendez. Bah, l'eau est bien, mais elle fait très transparente par rapport à celle de Sea of Thieves, justement. Sea of Thieves, elle fait un peu trop propre. Sauter, main gauche, main droite. Courir, associer mage gauche, mais juste que, ouais. Ok, monter, espace, sauter, c'est espace aussi, du coup. Ok. Quitter, ranger, E. Démanteler, Q, je regarde un peu, du coup. Ah. Salut, Bamama. Sea of Thieves. Eh ben, Sea of Thieves, écoute. Je regarde les lives, là, qui traînent, et quand même. C'est beau, au niveau de la mer. Même si c'est vrai que là, ils ont un niveau pour un jeu indé là sur Subnautica, il est quand même badass. J'avoue que ça envoie du pâté. Mais c'est un peu trop artificiellement propre, on va dire. On va
c'est ça. Ah. Ah putain, ouais, par contre, j'ai oublié qu'il est sous l'eau, c'est bizarre parce qu'on est aussi, on n'est pas impacté par l'eau, on dirait. Putain, on tombe vachement vite au fond. C'est bizarre. Mais il n'y avait pas un truc là, il m'a. Je fais un petit fanwick. Ça, c'est quoi ça, pardon? Tu veux pas le prendre ça? Oxygen. Si la combinaison était bien faite, j'ai un truc qui me remonte automatiquement avec des ballons gonflables à la surface. De toute façon, c'est le seul truc à faire au début. Vous me dites pour le son. Il flotte là-bas. Ça a pas l'air d'être un requin. Oh putain, c'est stylé ça. Bah pour l'instant, c'est le problème de l'alpha. C'est un petit peu la crainte de la No Man's Skyisation du truc à la sortie. C'est-à-dire qu'ils sortent avec un tiers des promesses voilà, de fait, avec un peu de vide d'intersidéral quoi. Mais comme c'est un MMO, c'est un peu les joueurs qui font le sel des parties. Bah, peut-être pas le contenu, mais enfin. Donc bon. Life on this planet grows in unusually distinct and diverse ecological biomes. Further study recommended. Oui, super, étudier les poissons. Copper is an essential component of all powered equipment. Your probability of survival has just increased. Ah, j'en ai ramassé, ok. Radiation détectée, ah merde. C'est pour ça que tu dis qu'il fallait être nu, d'accord, c'est pour aller sur le machin. Et j'arrive à consulter mon truc, tout va bien. Champignons acides. Eau filtrée. Minerai de cuivre. Ah d'accord, cul. J'ai du cul. J'ai du cul, alors toi bien. Bah si, il y a quand même le côté Sea of Thieves roleplay qui est cool quoi. Quand t'as le mec à la barre, l'autre qui veut être à la vigie parce que le mec à la barre voit rien. Mais les gens jouent pas encore vraiment roleplay tous. Ça peut être fun, mais il n'y a pas encore vraiment les combats entre bateaux. C'est un peu foutraque, les MMO. Est-ce que pour se retrouver, c'est toujours pareil avec les problèmes des MMO quoi. C'est vrai que ce jeu-là, putain, les Ray of God, là, les qui passent à travers l'eau, sont vraiment... Ouais, non, putain, il claque, ce jeu, nom de Dieu. Et j'ai pas mis en high, hein. J'ai pas mis en super et méga élevé et tout, mais... Je sais pas ce que ça donnait, tiens, la première version de Subnautica. Mais pour un jeu indé, bon, qui est en dev depuis 4 ans et tout, bah, il tient la comparaison, ouais. Bon, la Skybox, est un peu... Bon, bref. Elle est un peu mouef. Voilà. C'est moins prenant, on va dire, que No Man's Sky sur les lumières, tu vois, c'est un peu... C'est pas très artistique, c'est vraiment des réglages entre guillemets photoréalistes, mais c'est artificiel quoi. C'est trop propre pour être vrai quoi. Je sais, c'est con comme truc ce que je dis, mais. Chercher à manger. Ah merde, clic pour valider, j'ai du mal quoi. Alors du coup, je vais manger mon manger. Scrunch, scrunch, scrunch. On va essayer ce que je peux faire avec le corps. Alors attends, check. Ça, je peux le démanteler. Non, mange de pas, hein. Eh ben, c'est pas démantelé, ça. Ok, là, c'est mon stuff. Je sais pas. C'est pas comme ça qu'on fait. Il faut du quartz. D'accord. Il y a quand même, c'est un minerai de cuivre, fil de cuivre. Il en faut deux, j'en ai qu'un, c'est ça? Ah, j'en ai qu'un minerai de cuivre, ah merde, il en faut les deux. C'est ça, hein. Attendez. D'accord, ouais. Ok, ouais, on va regarder d'abord ce qu'il faut fabriquer. Ressources. Non, pas ma tête, mais électronique. Alors, avec ça, j'ai du fil de cuivre. Ah, je peux faire une pile. Ah, je craft une... Oh, c'est mignon! Batterie haute capacité, d'accord. Alors il faut du fil de cuivre, échantillon de corail plat et minerai d'argent. Attends, par contre, la sortie des machines, là, ça sert à quoi la pile du coup? Pile et charge 100%, du coup je fais quoi? Je mets là. Puissance 25, puissance 25. Ah, je l'ai utilisé, je l'ai mis dedans. Non, c'est pas ça. Je sais pas à quoi sert la pile en réalité, mais... Batterie solaire, je ne sais pas. Alors l'outil de réparation, c'est pareil, faut que je le trouve, faut que je le fabrique. Je ne sais pas. Ah d'accord, batterie haute capacité, pile. J'en fasse une autre, du caoutchouc en silicone, mais comme je sais pas faire le caoutchouc,
va être compliqué. Il y a le caoutchouc. Ah, il faut de la graine de vigne d'or. Non, mais je peux pas commencer un jeu avec à côté de moi une arborescence de chier à trucs à construire. Quoi. Oh merde! Ah oui, donc d'accord, oui, le cycle jour-nuit, c'est... Ah oui, d'accord, en même temps, la planète, t'as l'impression, elle est à 20 mètres au-dessus du sol, là. Mais est-ce que j'ai une lupiote au moins? Mais je peux pas y aller. Je peux pas y aller, il faut la tenue anti-radiation, et je sais pas comment je la chope. Enfin si, attends, c'était marqué dedans, je crois. Donc c'est dans ce cut médico, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Ah non, je le ramasse, ok. Il est pas tombé. J'ai l'impression que t'es tombé par terre. C'est quoi ça? La radio, il faut outil de réparation. La tenue, voilà. Équipement. Tenue anti-radiation, elle est où là? Non, elle est pas là. C'est incroyable. Non, bah je sais pas où elle est. Élément inconnu pour de l'eau filtrée, oui. Je peux faire d'autres javel déjà? Il faut de l'H2O sans micro. Et où est-ce qu'elle est cette tenue? Équipement, elle doit être là. Palme. Ouais, réservoir d'oxygène standard, tuyau. Ah, les tuyaux. Pompe à air flottante, d'accord. On est d'accord que je l'ai pas, hein. Ouais. Schéma. Attends, Olaf. Attends, peut-être que je le trouverai là-dedans, du coup. Tout au-dessus, invite à tatou. On me rappelle à tatati. Ça veut dire quoi que je l'ai déjà? Ah ouais, ingrédient inconnu, d'accord, je sais, oui. Panneau solaire, tic-tac-toc. Fosse sceptique. Un objet peu commun, oui, d'accord, oui, très bien. Ok. Bah, je peux pas, en fait, là. Je sais pas quoi faire. J'ai déjà envie d'arrêter de jouer. En réalité, le problème, c'est qu'il fait déjà nuit. Que j'ai pas... Que j'ai pas de lampe. Je regarde allumé, non, ouais, non. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de lampe, quand même. Et puis démanteler, oui, c'est démanteler un truc que j'ai fabriqué, je pense. Ouais. Voilà, les petits poissons. Oui, les petits poissons. On va ramasser les merdes qui traînent. Palmiers bleus, je vais ramasser des palmiers bleus. Ramasser les champignons, allez. Ramasse les champis. Attention, parce que j'ai pas une place folle. Oh, je suis comme ça. C'est chiant de tomber au fond aussi vite, faudrait qu'on puisse un peu un bouton, faudrait qu'il y ait un bouton pour l'assiette, enfin pour le niveau, pas forcément. Oh ouais, non mais ça, là c'est pas possible. C'est un jeu d'exploration où t'as une limitation en oxygène. Si vraiment t'as aucun moment... Ah parce qu'en plus ça s'étend, la zone de radiation. Oui. On arrive quand même à voir un peu. Bah, je sais pas, si tu mets tout sous la mer, tu fais un système pour respirer tranquille. Fin... Ouais, non, c'est un peu crétin. Quoi. Enfin, non, d'un côté, je vois bien que c'est logique, mais... Et ça, je peux pas ramasser. Ah, si, bah, il m'en faut de ça. Nouveau schéma. Les petites bouboules. Ouais, ça, c'est un truc qui me faisait peur, c'est la gestion de la survie. Alors là, c'est... C'est quand même le pompon, quoi. Toi, je vais te choper, toi. Ah bah non! Je vais pas te choper en fait. Ah bah il fait déjà jour. Putain, et le cycle jour-nuit, c'est. Bon, ça a l'air relou là, les indications d'Alana, mais. Bon, la fin est pas trop chiante. L'eau non plus, ça va encore. Putain, mais le cycle aujourd'hui, il est tombé quoi. Il est en Super Saiyan God quoi. Lol, je fais des références à DB Super. Ah oui, j'ai vu Battle of Gods du coup. Le film qui est pas si mal, hein, qui est intéressant. Beerus c'est vraiment un méchant coup. Enfin un méchant, c'est pas un méchant en plus. Il est sympa, moi j'aime bien Beerus. Lubrifiant. Ça va lubrifier, moi je te le dis. Zwip. Ah bah oui. Ouais ouais, ah, le lubrifiant il en faut, ça on est au courant. Caoutchouc, ça aussi on va en faire. Il va falloir que j'aille en chercher moult. Je sais qu'il m'en fallait un moment du caoutchouc, mais... Putain, comment c'est chiant. Tu
peux pas le faire enfin lancer des trucs de production, je vais te faire un par un à chaque fois, quoi. Fil de cuivre, il va falloir du minerai de cuivre de toute façon. Batterie haute capacité, mais je sais même pas à quoi ça correspond. Circuit intégré, il y a plein de trucs, quoi. Bon bah je repars craft chercher mes trucs. Ça le problème c'est que je peux rien explorer en réalité. C'est désarmant de tristesse quoi. Ah c'est l'océan, c'est fait exprès, oui, encore et encore il y a le truc pour se repérer, tu vois. Mais trop si limité. Bon, c'est moi qui précaré de pas de revenir au vaisseau, mais en même temps. Ah une case. Ah non, c'est encore un faux truc qui sert à rien. Eh ben tu veux. T'es sûr que tu veux rien prendre? On va reprendre des boules jaunes, allez. Bon, après, hein. Ah, mais oui, merde. Putain, je stocke pas dans la caisse, je suis bête. Je suis sot. Comme le film, n'est-ce pas? Ah, oui, on rigole. Ça va, TG. La petite rentrée par en dessous, c'est un petit peu classe. Alors, attends. Ouais, non, mais voilà, c'est pas possible, on peut pas. Ah, ok, le clic droit qui fait plaisir. Parce que je lui dis, putain, sinon, là pour merde, pour toi j'ai plus besoin. Voilà, on va crafter notre machin. On va en faire quelques-uns de ça. Du lubrifiant, puis je vais poser le reste. Oui, évidemment, évidemment, tout ce que je fabrique, faut que je le prenne, évidemment. Lubrifiant, hop. Non, bon, la pile, ouais, j'en ai pas besoin. Ça non plus. On fait de la place, hop, hop. Et c'est quoi? Ah, mais oui, ah oui, d'accord, c'est qu'elle prenne 4 bleus. Ah, putain. Ah, bordel, attends. Je vais la reprendre, puis je vais la transformer, parce que... Du coup, ça prend de la place. Ouais, ça, les allers-retours au début, putain, je sais bien que c'est la... C'est la règle du milieu, hein. Mais c'est chiant. Surtout que ça me dit pas quand je fabrique combien de place ça prend. Là. Je sais pas si ça sert à quelque chose tout ce que je fais, mais... Mais je le fais, c'est ça qui est bien. Allez, caillou là. Alors, tac, 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 voilà. Oui, je prends pas l'extincteur, on s'en fout. Allez, on repart dans l'eau. On n'a pas vraiment l'impression de flotter, on s'arrête quasi net quoi. Ouais, c'est pareil, le son dans l'eau, on dirait qu'on n'est pas dans l'eau là en fait, hein, quand on fait son bruit. Non mais c'est joli, il y a des chouettes petites poiscailles là. Allez. Oh, ta gueule, quoi. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, j'ai dû aller dans son... Dans son antre. Voilà, j'ai tout petit peu failli m'étouffer. Ouais, je surveille pas mes jours, hein. Moi ça m'intéresse pas. Un jeu d'exploration, faut surveiller ses jours, c'est bien. C'est quoi ça? On peut manger? Qu'est-ce que j'en fais? Mec, attends, non mais je vais la garder, moi je vais la manger. Je te bouffe, hein, mec. Et qu'est-ce que j'en fais? Mais reste un peu en flottaison, bordel. Nourriture plus 12. Poisson de proie comestible, taux de calories élevé. Et un raccourci consommé déposé. Ah, j'ai du titane, fuck. Ah. Bon, ça commence à venir, mais je sais toujours pas comment construire ma tenue. Ouais, je te laisse, petit poisson. Je te repêcherai plus tard, t'inquiète pas. Allez, je risque. Et oui, c'est comme ça qu'on a le stuff. Mais vas-y, bah chie-moi dessus. De
caverne, on va reprendre son souffle. J'arrive, j'arrive. Ah, je suis content, là, je suis sous l'eau. Hop, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessous? Qu'est-ce qu'on a là-dessous? Chantal, Chantal là-dessous. Tube de corail géant. Ah, d'accord, c'est stylé ça. Oui, c'est vrai que je me demande pourquoi c'est tout lisse. Requin marteau nul. C'est le requin débris. Non, mais il a un débris accroché sur le. Ah, il ramasse. Ah, oui, non, c'est qu'il ramasse des petits débris, il se fait son petit nid, quoi. Hop, merci, je te le vole. Je suis un fils de pute. Hein. Théorie avancée, œuf alien. What? Ouais, on va se barrer. On va définitivement se barrer. Je suis en train de me faire attaquer, j'aurais pas dû lui piquer son truc. On se casse! Je vais ingérer des fluides. Non, pas ça, pas ça, pas ça. C'est lourd, tu vois. Merde, pas les soins! Oh putain! Oh bordel! C'est pas possible. Un œuf non identifié, principalement composé de titane. Alors, faut la. Ok. Et je peux pas m'en servir? Mais je sais pas, il disait avec les débris, qu'est-ce que je dois faire? Je peux pas les casser, justement? Ah, je peux fabriquer des trucs. Ah, ok, oui, d'accord. Ah, il faut que le. Oui, je peux pas le bouffer. Hein. Ok, je peux le faire saler comme de la morue. Je vais un dessaler comme de la morue. Ah, d'accord, une chaîne de tuyaux. Pff, compliqué! Ah voilà, ouais, c'est ça. Okay. Mais il n'y a pas d'autres ressources là? Les champignons acides. Alors là, je pourrais faire une pile. Et après, avec mes deux. Attends, je vais reprendre un champignon acide. Et si j'en ai un en plus? Qu'est-ce qu'il me raconte lui? Avec le minerai de cuivre, c'est ce qu'il faut alors du coup? Faire ma pile. Non, il en faut deux piles, c'est ça? Mmh. Alors, batterie. Et j'en ai qu'à, il faut que je prenne une autre pile et mon caoutchouc en silicone pour faire je sais pas quoi. Bon, on construit, écoutez. Pile, voilà. Pff, c'est chiant. Oh la vache. Batterie haute capacité, d'accord. Je sais pas à quoi ça sert. Mais... Ah, par contre, ouais. Ah, couteau de survie, ouais. Ça, ça va le faire. Weapons were removed from standard survival blueprints following the massacre on Abraxas Prime. Ok. The knife remains the only exception. Ah, réservoir d'oxygène, ça, ça peut être pas mal aussi. D'accord, je vais pouvoir aller plus loin. Bon, ça, on va pas construire tout de suite. Ok, est-ce que ça save tout seul? On est la fusée, le couteau, la batterie, je sais pas à quoi ça sert. C'est quoi la batterie? Ça se met là? Ça, j'ai pas de description des objets, enfin, faut que j'aille dans les. Alors, batterie, est-ce que ça explique là? Bah ben non, enfin, il reçoit, mais d'accord. Schéma, alors attendez. C'est ouf. Batterie haute capacité, source d'alimentation mobile à haute capacité. Oui. Mais d'alimentation, pourquoi? Qu'est-ce que ça alimente? Bon. Bah, je le saurais pas. Est-ce qu'il y a une save? Sauvegarder, ouais. Est-ce que F5 ça save? Non. Je vais patienter, ok. Bon, là, je sais rien. De l'eau, on va pas reprendre à manger, on va aller pêcher du poisson. Ça, on va virer pour l'instant. Du quartz, j'ai mon couteau, ma bite, mon couteau, toi, mon œuf de créature que je sais pas quoi en foutre. Bon, j'ai peut-être fabriqué trop de trucs. Il faut d'abord je regarde qu'est-ce que je peux fabriquer. Il faudrait plutôt que je regarde ça dans mon pad, du coup, ce serait plus économique. Mais lubrifiant, pourquoi tu brilles? Je t'ai vu.
Mais ça, tout ça, c'est pas encore débloqué. Hein. Ego de titane. Ah, un titane barre de titane condensé. Ok, d'accord, du verre. Du quartz, il en faut deux. Mais qu'est-ce que je dois construire en réalité? De quoi j'ai besoin là? Des palmes, ok, ça peut être bien, mais. Ce que je trouve bizarre, c'est que je vois pas cette. Le plan pour fabriquer la tenue. Ça, après, c'est si je veux fabriquer une base, mais. Ouais. Oh là, oh là, qu'est-ce qui me fait? Ah, bien voir cette tenue. Moi, je veux aller sur le bateau, moi. Pas sur le. Pas le bateau, le vaisseau qui s'est écrasé, quoi. Bah, je pars à l'aventure, à vrai dire. Ouais, je suis bébé. Comment je me la joue avec mon couteau? Enfin, je nage, mais je fais ce que je veux, quoi. Range ton couteau, range ton couteau. Ah, quoique, on pourrait essayer de l'attaque, là. Putain, je vais reprendre mon souffle, quand même. Pas s'attaquer à un gros machin dès le début. Oh fuck! Pourquoi il attaque pas mon gars? Ah bah, t'as ton couteau mais t'attaques pas, c'est pas un peu teubé là? Ah bah voilà, super, ça bug. C'est. Mais d'où que c'est clic droit quoi? Mais explique-moi comment c'est clic droit pour attaquer, putain. Bah, j'ai bien fait de faire le couteau. Je crois qu'ils m'ont attaqué, c'est un peu scripté. Parce que j'avais le couteau, justement. J'ai déjà plus d'eau, putain. Et oui, mais pourquoi il range son couteau quand il récolte? Et ben oui, Sick Fluid Intake, mais non. Là, malheureusement, j'ai plus de. Enfin, si j'en ai un, mais ça fait chier de le voir maintenant. C'est quoi que j'ai ramassé? Vieux échantillons. Vieux échantillons? Échantillons quoi? Ah, c'est. Ah ouais, putain. C'est que je sais toujours pas comment faire de l'eau. Bon, alors, je vais aller sur Wiki, alors on y va, parce que apparemment. On est obligé. Ah, puis il faut repasser en oise. Non, mais là. Subnautica Wiki. Il n'y a pas en français. Item. Tac. Getting started. Attends, ouais, getting started, c'est bien ça. Comme la chanson. Let's get started now. To get food and water. After your spam. Ok. Some fins, c'est quoi fins? C'est des palmes? Ah, c'est des palmes, ok. Donc il va falloir faire les palmes après. Disinfecter. Filter de water, il se fout. Il faut de la bladder fish. Il faut de la vessie de. Enfin, de la bladder, la vessie de poisson, les poissons violets. Ouais, je viens de voir. Des pochons, les poissons violets. Ouais, mais sauf que. Non, je l'ai pas la recette de l'eau. L'eau filtrée, j'ai désinfecté, j'ai ça, mais ça, j'ai pas la recette. Salut Fabmin, pardon. Et du coup, voilà. Enfin, je viens juste d'avoir le couteau, donc j'aurais pas pu l'avoir avant, de toute façon. Poissons violets. Poissons, il y a ça, là. Ceux-là, les raies, là. Ça m'énerve que ce soit pas le. Non! C'est des poissons, hein, juste. Je peux pas attaquer comme ça à l'arrache en nageant avec une seule main. Je sais pas, des poissons, il y en a, moi. Il nage plus vite que moi, donc sans les palmes, ça va être compliqué. Et je l'ai eu ou pas? Non, je l'ai pas eu. Si c'est une galère pareille pour avoir de l'eau, ça va pas être possible par contre. Je vais remonter un peu, si je peux choper au passage. Je sais pas si c'est cela en plus.
Bon bah c'est bon là, il est peut-être mort quand même. Nous. Je suis en galère. Attends, il n'y a pas moyen qu'il me fasse voir une image in-game de ce que c'est? Ben oui, mais moi je l'ai pas vue celle-là. Je sais pas à quoi ressemble. C'est ça le problème. Putain, mais pourquoi? Eh oh! Ah, puis il faut repasser en Oise. Non, mais c'est pas possible. Tu veux que tu chasses la merde. Bah, je les ai jamais vus en fait. Après, il part sur TD1. Mais moi, je tape, moi! Moi, je suis un chasseur, mec! Le petit jeu indé des familles. Où les poissons font le poirier dans l'eau. Allez, cassez-vous, bande de cons. Là. Vengeance! Non, mais oh. Mais c'est pas ça, là. C'est pas les machins avec le gros. Ah, ça y est, je l'ai vu! Ah, pochon, ah oui, non, je l'avais pas vu. Mais je le tue après? C'est pas une forme de vie alien, techniquement là, c'est moi l'alien. On va en choper un autre. D'accord, j'avais pas vu. Ah, mais moi je bute, moi, j'ai pas le temps de niaiser, mon pote. Je suis un survivor. Ouais, on va se faire des palmes aussi, parce que putain, on se traîne. Enfin ouais, je sais pas, un petit truc pour démarrer quand même, un couteau quoi, la bite et le couteau, c'est la base. Bon, je vois le genre de gameplay de chill, mais là c'est encore plus stressant que No Man's Sky parce que c'est que de l'eau, c'est-à-dire que t'as toujours une ressource à gérer en plus, c'est l'oxygène. Déjà qu'il y a la bouffe et la santé et l'eau. Oh, bah attends, regarde, je peux pas choper direct. Bon, ça va, ça va. Consommer directement, ce serait pratique aussi. Ah non, attends. Ah d'accord, c'est juste que j'ai... D'accord. Avec deux, avec deux. Ouais, il faut quand même que j'aurai un petit paquet. Hein. Oui, non, ça je peux pas virer. Ça, je sais pas à quoi ça sert. De toute façon, j'ai rien de spécial à faire. Alors, les palmes, on l'a dit. Comment on fait le verre, les palmes, franchement. Caoutchouc en silicone, eh ben j'en ai de ça. Ouais, si, si, non, mais j'imagine bien que c'est gigantesque, hein, mais là, sous la mer. Attends, j'ai depuis le début ça, comment ça se fait, tu me l'as pas proposé. Attends. Ben voilà. C'est quoi ça, mec? J'ai pas compris ce qu'elle a dit, mais non, je peux aller revoir de toute façon. Qu'est-ce qu'elle a dit? Des fois, c'est pas clair. Des fois, c'est. Ce paramètre, c'est-à-dire quel paramètre? De quoi quelque chose, la bonne femme? Bon, je vais nager un peu plus vite. De quoi j'ai besoin? Je vais retourner sur mon wiki. Parce que si t'as pas le wiki, t'as pas tout compris. C'est ça le problème. Alors, wiki, voilà. Subnautica wiki. Getting started. Voilà, un petit truc pour débuter. Putain, ça coûte pas cher. Bon, ils mettent des vidéos, mais je m'en bats les couilles. Alors, voilà. Coral.
Scanner tool. D'accord. Un standard. Ouais, ça j'en ai un. Food, la bouffe, ok. Un couteau de survie de H2O. Truc de repérage et des palmes. Alors c'est quoi un scanner tool? Ah d'accord, ok. Scanner. Qu'est-ce qu'il faut pour le scanner? Je l'ai ça le scanner? Alors il faut batterie, titane. Mais je l'ai la recette de ça? Ah, attendez, c'est que dans la version française du coup. Peut-être dans l'équipement plutôt. Ah d'accord, scanner. Ah oui, pile et titane. Bah ça j'en ai. Ah j'ai peut-être plus de pile. C'est trop. Ouais, c'est trop vaste quoi, faut au moins. Okay, donc, du titane j'en ai, faut des piles et je sais déjà plus comment on fait. Nah! Comment on fait les piles, je sais plus. Ça c'est chiant aussi. Oh là là, c'est typiquement No Man's Sky relou quoi. Champignons, minerais. Deux champignons et un minerai. Alors, est-ce que j'ai des champignons? Oui, mais j'ai plus de minerai. Non, j'en ai plus. Je trouve du cuivre. Les champignons sont là, trouver du minerai. C'est un petit peu chiant à trouver parce qu'on les repère pas de très loin. On voit pas très bien cette espèce d'excroissance, ouais, genre ça là. Calcaire. Et comment? Bah, je l'ai pas récupéré? Ah non, merde, putain. Est-ce que c'est ça ce que je cherche? Ouais, c'est ça. Il m'en faut un autre, voire trois autres même. C'est qu'il faut que je me dépêche en plus, je suis temporisé. Prendre ça pour faire de l'eau. Tiens, c'est la première fois qu'elle me le dit ça. Ouais, le scanner va commencer à être urgent effectivement. J'ai pas encore tout à fait faim. Et la petite merde. Je peux te choper toi? Est-ce que je peux vous choper tous? Attraper-les tous? Ouais, ouais, c'est bon. C'est vrai que je sais pas qui s'est inspiré de qui. Fait très No Man's Sky, les musiques un peu bizarres qui se lancent un peu n'importe quoi comme ça, un peu chill. Ouais. Enfin bon, c'est des jeux d'exploration et de survie tous les deux, de crafting, mais... Ouais, non, désolé, hein, je préfère quand même No Man's Sky, enfin maintenant, avec les mises à jour. Parce que merde, entre l'espace où tu changes de planète, tu prends ton vaisseau et ça... Bon, ça c'est plus vraie survie. C'est une No Man's Sky, moi j'ai pas beaucoup joué à No Man's Sky. Mais je préférais prendre mon vaisseau et me barrer où je veux, je suis moins limitant en mouvement, là putain, c'est infernal. Même si No Man's Sky c'est chiant en fait, parce que tout coûte cher aussi. Mais là je trouve pas de... J'arrive pas bien à le repérer. T'es en dev avant, bah alors je sais pas. Je sais pas qui a pioché sur l'autre, mais... Il y a quand même des gros wimps communs. Parce que je parle un peu le langage des jeunes de banlieue. Et je dis, ouais, pour là, je parle en verlan, ça peut vous servir pour vous défendre si un jour vous êtes dans la cité de la banlieue de la Tessie. Non, c'est pas du titane que je veux. On dit. Ça, je peux pas le prendre. Oh, putain. Je crois que ça va me gonfler, ça. Ah, mais je me suis installé mon... Je me suis pas installé mon truc. Mais... C'est pas celui-là que... Bah si, c'est celui que j'ai crafté. Il dure plus longtemps que l'autre, j'ai pas l'impression en fait. Bon, peut-être que si. Bah, c'est anxiogène, surtout c'est gavant. C'est gavant de devoir gérer l'oxygène, de remonter à la surface. Alors j'imagine qu'après tu te craftes des trucs où tu restes plus longtemps, mais... Au final, est-ce que ça rajoute vraiment du plaisir et tout? Je peux te choper toi? Pour le fun, bien. Là, j'ai envie de les buter, les bestioles, vous voyez. Non, Mad Sky, non, parce que ça ressemble à rien, t'as pitié d'eux. Ouais, peut-être que je dure plus longtemps sous. Non, non, mais après, c'est un très bon gros jeu. Pour un jeu indé, c'est impressionnant. Même un jeu pro, il y en a des moins bien faits que ça, quoi, tu vois. Donc, bon, ils ont mis 4 ans, mais... C'est le gros respect, il n'y a pas de souci. Hein. Je lâche Trickit, mais c'est vraiment moi. Parce que, quand même, je sais pas, la jouabilité, j'ai du mal à me sentir sous l'eau, là. Visuellement oui, mais quand je me déplace, enfin, c'est peut-être plus pratique, ouais, ce sera encore plus chiant
si t'es encore plus limité dans tes mouvements, j'imagine, mais... Ça va falloir que je remonte, voilà, super. Attends. Je l'ai chopé ou pas? Qu'est-ce que j'ai chopé? J'ai pas vu. Ih. Ah merde, j'ai fait... C'est quoi ça? Œuf de créature. Bon, j'ai ce qu'il me faut. J'ai ce qu'il me faut, il faut les champis, mais ça j'en ai. Allez, à la maison. C'est qui? Bah, le côté exploration, ouais, enfin aller de plus en plus aux profondeurs, mais va falloir vraiment que je me crafte des trucs pour l'oxygène qui me permettent d'aller longtemps loin, quoi. Ah, mais je vais pas avoir de quoi en faire assez, attendez. Ça, c'est pareil, je sais pas ce que ça fout les œufs là. Ah, ça prend une place de fou, je vais les tèges. Hein. Débris métalliques. Ouais, j'ai des véhicules après, j'ai vu ça. Ouais. De l'eau déjà. Bon, c'est de la nourriture cuite. Un petit rôti. Oh, miam 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 miam. Alors le scanner, qu'est-ce qu'il faut déjà? On a dit que pour faire équipement, outils, le scanner, il faut piles. Les piles, c'est où les piles? C'est où les piles? Après les piles, il faut... Non, là, voilà. Hop. Ça va changer la vie. Oh bah je te crois. Eh oui, il va manquer. Ah, il manque champignons aussi. D'accord. Bah il me semble en avoir assez. Ah, j'ai mal. Ah, j'ai cliqué gauche ou cliqué droit. Lundi, je lui mets à décrocher, ok. D'accord, bon c'est celui de No Man's Sky, quoi. Je vous saoule avec ça, hein, mais... Ah, attends, on va faire ça, ça va me débarrasser de mes gros trucs, ça va me faire qu'un carré, j'espère. Caoutchouc en silicone, oui, si tu veux. Qu'est-ce que je peux faire en équipement? Je fais un truc de soin. Des palmes, ça j'en ai déjà. Truc de soin, ouais. Je vais en faire un, derrière. J'ai pas vu ce qu'il fallait, mais... Ah d'accord, maille de fibre, ok. C'est que je... Extracteur, tuyau. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'il faut pour faire... Baie à véhicule, ouais, on n'a pas encore. Armoire imperméable. Petit stockage capable de maintenir sa position dans l'eau. Ah, c'est pas mal, ça. J'ai plus la patience. Moi, je l'ai jamais eu. Ah, j'ai un générateur de kit de soins. Ah, mais il les fabrique tout seul? Ah, d'accord, moi je croyais qu'il y en avait un, que c'était cadeau au début, je l'ai pris. J'avais pas vu. Enfin, si, je l'avais pris la première fois, je m'en suis usé, j'en ai utilisé sans faire exprès. D'accord. Et où mon poisson? Ah, ça donne de l'eau aussi, d'accord, ok. Non, je l'avais vu, hein. Je l'avais pris, mais je pensais pas que ça le régénérait toutes les 30 minutes. Oui, bah oui, je viens de voir du coup. D'accord, j'ai du titane, j'en ai combien? Il faut 4 titanes. C'est... Son titane, faut que je le récupère, ça. 4 x 4. Ah non, débris métallique. Mais je crois que j'en... Ah voilà, je vais faire ça. Bon, on va. C'est rigolo. C'est pareil, comment est-ce qu'on save? Bah, je sais pas, je fais comme ça. Mais... Ok. Ah oui, ça reste à portée. Tout récupérer, ouvrir le stockage. Ok, d'accord, oui. C'est, ça fait ce que ça dit, tout simplement. Ouais, par contre, voilà. Et comment je le reprends, en fait? Ok, je le reprends comme ça. Par contre, voilà, ça change la position des trucs. On va pas être copains. Si tu mets pas les raccourcis où il faut, ça va pas être possible, par contre. Voilà. Ça, c'est chiant.
Bon, ouais, j'ai un petit sac à dos en fait. J'ai un sac à dos. Voilà. Qu'est-ce que je vais avoir besoin de fabriquer? Moi, ce que je voudrais fabriquer, ce serait cette fichue tenue anti-radiaire. Déjà, on va prendre la cervelle du scanner. Tiens, ça. Ok. Ok. C'est-à-dire. On va scanner ça là. Pépé. Ça faut que je sois prêt quoi. Poids recherche. Putain mais c'est chaud parce qu'il faut que je reste. Ouais c'est chiant, non c'est chiant. Forme devient. Gary. Ah c'est Gary. Je te mangerai plus tard Gary. Attends, Gary de Bob l'éponge, ouais. C'est long, c'est long. Ah je peux pas le choper, merde. Calme-toi. Est-ce que si je scanne à côté, faut que je reprenne à zéro? Non. Bon, ça, c'est juste pour la banque de données. Ouais, ok. Ouais, le scanner, la vache, il est court de portée. Hein. Reste en dehors du truc. Ah non, mais ça, c'est chiant. Allez, c'est bon, tu me fais la flottaison tranquille. Qu'est-ce qu'on pourrait fabriquer? J'en sais rien, moi. Tu me fais marrer, t'as. Kit de câblage, minerai d'argent. Et minerai d'argent, je sais pas comment tout faire pour l'instant. Gary. Pareil, du verre. On peut faire filtre en dispositif autant qu'il pompe l'air dans les tuyaux utilisés comme point de départ pour une chaîne de tuyaux, ouais, pour amener de l'air en bas, mais. C'est pour après, extincteur qui te sont d'accord. Ils sont équipés mes palmes en fait. J'ai pas l'impression de nager beaucoup plus vite là, mais. Enfin, c'est que de 15% je crois. BFM, Sea Glide. Alors, comment ça marche? On ne sait pas. Du titane, d'accord. Et du VR. Panneau solaire, ouais. Il y a d'énergie, parce qu'après faut que tu gères l'énergie du ton truc fabricateur. Bah ça j'en ai un. Ah, je peux fabriquer un autre fabricateur pour dans ma base, c'est ça? Hein? LOL, un aquarium sous l'eau, MDR, on est dans la rigolade, on est dans la bonne plaisanterie. Bon bah le problème c'est que j'ai toujours besoin du guide là en vrai. En plus faut remettre des batteries dans le scanner et tout. Oh là, la relounesse du truc. Oh désolé mais c'est relou. Le bout de matos, meuté. Meuté? C'est quoi meuté? Pété. Je scanne ce que je veux moi. Je vais remplir mon Pokédex. Est-ce qu'on voit la batterie du truc? J'ai pas des bouts de trucs pétés, c'est-à-dire. J'ai pas vu beaucoup de technologie. Ouais, je nage pas des masses plus vite, hein. Les palmes, c'est pas fou. Hein. J'ai pas la radio, elle est cassée, j'en ai pas. Biome inconnu. Ça c'est, il fait nuit, putain. Je peux plus rien faire, je vois plus rien. Un repair tool. Bah oui, mais je sais plus si ça je voulais. Ça, c'est insupportable. L'oxygène, c'est déjà chiant, la faim et la soif et tout. Heureusement qu'il n'y a pas ça dans NMS. Mais vraiment. J'aime pas bien ça. Pensez aussi. Oh putain. Ça, c'est insupportable, sans déconner. Ah, mais. Alors, c'est quoi, Repair Tool ou kit de réparation? Je l'ai vu qui passait quelque part, mais je sais plus. Ah, outil de réparation. Mais soufre de cave, c'est quoi ce truc, je trouve, où ça? Dans une cave? Je sais pas où ça se trouve. Ah non, il fait pas nuit pourtant. Ah, c'est que je suis parti trop loin de ma Mother Base. T'as vu, je comprends vite. C'est quoi qu'ils appellent une cave par contre? Genre ça là-dedans? Non, parce que là, non, c'est juste un petit passage ça. Un truc plus profond. Hein. Plus profond dans les abysses. Dans les abysses, c'est des bros là, petit bug. Ouais.
peux te prendre. Je peux prendre, je peux vous prendre. Je voudrais vous tuer, s'il vous plaît. Je suis un être humain. Un peu de quartz gratuit, on dit pas non. Le bon quartz des familles. Ah! Ah mais je les ai vus, l'espèce de... Bon bah c'est celui qui vient de m'attaquer d'ailleurs. L'exercice de la semaine. Ah oui d'accord. Quel est con. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Bah oui mais attends parce que j'ai... Ah le machin jaune, ah ouais. Je savais pas que ça se ramassait ça. Bah oui mais du coup il est parti. T'es plus là? Merde. Attends, attends, faut que je m'en aille. Ish. On va retourner, on va rester là. On prend notre respiration à une vitesse astronomique. Non, on la reprend quand même, merci. On est reparti. Attends, c'était où déjà? Allô, ma... Ah. T'es dedans le souffle, mais j'ai pas vu. Ah, l'espèce de truc rouge par terre, là? Ça? Bah non, regarde. Il veut pas que je le prenne. Le scan? Non, tu vois, il veut pas. Ah, bah non. Où ça là? Champignon acide, bah non, ça on connaît. Ah, shit, ça dépop. Ah, bah peut-être. Hein. Un petit peu de plomb, ok. Toi, tu fais quoi, toi? Toujours utile. Un petit peu l'air. Ouais, c'est insupportable l'oxygène. En vrai, genre JPP. T'as plus envie que. C'est sûr que c'est joli, hein. Vu comme ça, ça fait des jolis screenshots, mais. On aurait presque envie de rejouer à No Man's Sky, même si en fait non, parce que je sais qu'il n'y a rien dans No Man's Sky. Il y a Walou. Je crois qu'il y a une quête que j'ai toujours pas fait, mais j'ai tellement pas envie de. Faut que je reprenne une autre save. Ah, mais je peux plus. Les enfants ont déjà une save en créatif. Faut pas me faire chier. Et du coup, il n'y a plus l'intérêt de jouer No Man's Sky si tu fais pas la chasse à leur source, qui est la seule petite coupe de gameplay du. Ah. Ah, voilà, toi là. Attends, attends, je vais te tuer. Tu sais qui il est? Ah putain, direct quoi, insta kill. Fuck. Je croyais pas qu'il faisait si mal que ça. Attends. Vous êtes mort, elle avait perdu quelques objets, c'est-à-dire, enculé. Bon, de toute façon, j'ai mon eau encore ou pas? Non, j'ai plus mon eau. Ah merde. Ah mais ils m'en remettent de l'eau. Ouais, ok, ils sont pas trop chiants. Ok, la mort est pas trop agressive. Ok, ça va. Ça, on va garder. Ah bah genre, monsieur, oui, moi, j'ai pas vu ce que la mort faisait. C'est pas... Ah, faut pas que j'oublie, j'ai mon petit sac à dos. Je pense à le mettre dedans. Allez, faut que je trouve encore ces cons. Putain, j'aime les faire, je vais les saigner. Même s'ils saignent pas, je m'en fous. Est-ce que j'ai mon équipement encore? Ouais, j'ai mes palmes et tout ça, ça disparaît pas, ça. Vous êtes un enfoiros. La barbitude. Hein? Quoi, quand? Fiona, je meurs, monsieur. Ces jeux-là, je meurs, sans arrêt. Bon, ils sont vos copains explosifs, hein? Barrez-vous, con 2000. Par contre, ils ont une musique pour le jeu. Alors ça, il y a de la technologie là. Qu'est-ce que je peux scanner alors du coup? Ça, je peux scanner. Auto-scan. C'est quoi auto-scan? Ah, sur moi! Ah merde, d'accord. Auto-scan, moi je croyais qu'il scanne automatiquement autour s'il trouvait un point d'intérêt. D'accord, non, auto-scan, c'est soi-même. D'accord, très bien. Understanding, baby. Ça,
je peux le scanner. Hein. Alors. Bon, techniquement, il est vraiment, vraiment ouf. Et ouais, tu peux aller jusqu'à fabriquer des bases et tout, mais. D'accord, Sky, du coup, qu'à rajouter ça après. Ouais. Mais alors, du coup, ouais. C'est. C'est assez rebutant, le fait d'être sous, de gérer l'oxygène. Tout du moins au début, j'imagine qu'après c'est moins un problème, mais. Je suis peut-être pas un grand accro des profondeurs. Merde, je crois que c'était une grotte, mais je suis con. Là déjà, je vois rien. Le cycle jour-nuit est un peu trop violent aussi, putain. T'as même pas une pauvre loupiote, quoi, sur ton casque. Attends, c'est n'importe quoi. Ça paraît peu crédible. Que c'est une map générée aléatoirement d'ailleurs. Ok, déjà fait, ça ressemble, c'est toujours la même position. Quartz plus pile égale lampe. Bah, je l'ai pas ça, si je l'ai ma création, je vois pas. Donc, ouais, c'est la même map. Hein. Ouais. Non, c'est toujours pas ça. Hop, le jour se lève, c'est magique. Il y a un gros machin, on va peut-être le laisser tranquille. Je vais couper ça, moi. Oh, t'as, j'ai à peine de descendre, là. Ah, il y a une grotte. Short range scans suggest this biome supports extensive biodiversity and connects to a number of small. Il y a des éléments scénaristiques, quand même. D'accord. C'est pas... ok. À scanner là, mais non, non, allez, on arrête de scanner. On va à la pêche au soufre et après on ira faire une pierre. Non, c'est pas une vraie. Si, c'est une vraie. Comment la lumière peut rentrer là quand il fait jour? Ah, mais putain, fausse grotte encore. Fait chier. Oh. 2 heures, merde, putain, faut vraiment que je me speed en vrai. Oh, j'aurais arrêté de jouer avant. Tch, vu que c'est pas 2 heures de temps réel. Comment ça peut être dans 2 heures le truc, il fait déjà nuit. Oui, j'ai compris, j'ai compris. Ah voilà, j'arrête pas de perdre mon temps à remonter. C'est insupportable de frustration. De remonter sans arrêt là, putain. Tu te démerdes pour créer un truc qui me remonte pas à... À la surface aussi souvent, tu fais un putain de jeu d'exploration sous-marin, quoi, enfin... Ah, tu me diras s'il n'y a pas à rechercher l'oxygène, qui est l'intérêt de le faire sous-marin, je sais bien, mais... Bon, c'est un intérêt en moins, mais qui s'en va, enfin, franchement, c'est juste relou, là. T'as ce qu'il faut. Mais non, j'ai pas le soufre. Je voulais faire le truc de soufre, là. Pour les lampes, oui, non, c'est pas pour ça que... Je sais plus pourquoi, mais pour l'outil de réparation, je voulais. Donc je puisse crafter une radio direct. On va laisser l'œuf tranquille. Les couleurs verdâtres sont bien dégueulasses, ça fait cool. Hop, je te pique. Ah, si gros con. Allez, remonte, mimi. Système de pompe, mais c'est chiant ça, système de pompe et de tuyaux, ça va me limiter, non? Je l'ai vu passer ce truc là, mais c'est pour après ça, non? Pas utilisé, il paraît que ça marche. Mais c'est quoi le but en fait? C'est de te faire des points de spawn d'oxygène en fait, un peu plus loin de ton truc, c'est ça? Ça revient même. Hein. Mais oui, j'ai vu qu'il y a des tuyaux, mais enfin, on peut essayer, hein. De toute façon je suis là pour essayer. Mais... Est-ce que je nage plus vite sans mon nom? Même pas. Non, puis ouais, un petit véhicule là. Oh, oui, mais ça je l'ai vu, mais je me dis que c'est pas un des trucs premiers à faire, donc je le faisais pas pour l'instant. J'attendais d'avoir des trucs plus basiques. Mais je l'ai vu passer, ouais. Ah bon? Moi j'ai pas vu.
Alors. Est-ce qu'on a besoin de bouffer? Oui. J'ai pas ce qu'il faut, j'en ai pas ramené un poisson. Et tu disais quartz plus. Quartz plus pile égale lampe. Bah oui, mais je les vois pas moi. Si. Ah, je l'ai pas vu, putain. Ah non, faut du verre. Ah, et le verre, ça se fait avec le quartz, c'est ça? Ah. Ah, j'en ai pas. Attends, j'en ai peut-être d'autres. C'est ça qui est chiant, toujours dans l'arrêt. Enfin, on n'a pas besoin de se déplacer, ceci dit. Petite analogie, quoi. Prends tout votre matos, là. Ah, je sais pas si j'ai assez. Non, le quartz, si j'en ai que deux, ouais. Ah. Mais la lampe, ça me prend un emplacement? Putain, relou. C'est quoi qui fait les autres, pardon? Pile et verre. Ah oui, du verre, d'accord. Ah, il m'en manque. Prends deux champignons. Non, mais c'est pas la pile qui me manque, si? C'est la pile qui me manque? Ah, attends, je suis pas du tout. Ah oui, d'accord, exact. Ah oh, putain, non, non, non. J'ai pas les réflexes comme toi. Oh ouais, mais non, ça... Putain, tu mets une petite loupiote sur le casque, quoi. Tu mets pas un emplacement, tu fais chier, bon. Aussi de repérage. Ah, de repérage, pas de réparage. Et alors, du coup... Attends, c'était où? Ouais, ça. On va faire une pompe. Et j'ai plus de quoi faire des toyaux. Avec ça, je suis content. D'accord que... Ouais, ok. Là, bon, ça... Ah, mais si, attends, ça, je vais le transformer en... Bah si, c'est ça qu'on transforme. Justement, en titane. Ah non, mais c'est en quartz. Bon, on va faire du titane. J'y vais, j'y vais. J'arrive, j'arrive. On va faire de la place. Voilà, bon, faut aller chercher à manger. Non, ça j'en ai déjà une, j'ai pas besoin. Ça aussi, j'ai déjà un extincteur. Un toy. Ah, c'est un lot de 5. D'accord. Plein de toy. On va s'installer, savoir ce que ça fait déjà. C'est avant. Bon, on va voir ce que ça fait. Putain. Ah oui, c'est pas un emplacement avec 5 tuyaux. C'est 5 emplacements, on va te faire enculer. D'accord, bah écoute, toi aussi. Et je peux pas les mettre dans le truc là, justement? Ce serait peut-être bien, non? Enfin, je peux pas en mettre beaucoup, mais. Faut qu'on prenne à bouffer aussi. On va commencer à avoir faim, attendez. Et là que je te bouffe, toi. Toi, je sais que je peux te manger. Hein. Trop rapide, ces petits cons. Nye. Je t'ai eu. Ah, mais j'ai plus de place! Ça, c'est pas possible. Bah oui, merde. Il est mon coffre. Bon, je sens que je vais le paumer. Ah, mais ça fait même pas une petite balise. Putain, c'est chaud. Ça fait même pas une petite valise. Une petite balise. Et quand je récupère les coffres, je récupère ce qu'il y a dedans. Sans que ça me prenne des inventaires, des places d'inventaire en plus, attends, on va essayer. Viens là, Gary. Je suis sûr qu'ils l'ont appelé exprès des... Ils l'ont appelé exprès Gary Fish. Voilà, j'ai paumé mon truc, super, je sais plus où il est. Faut faire super gaffe, hein.
Voilà, si par exemple je mets Gary Fish là-dedans. Et que je prends le Gary Fish. Mais c'est nul! À quoi ça sert? Enfin oui, je vois à peu près à quoi ça sert, mais... Ah ouais, non! C'est moins intéressant que ce que j'aurais cru. Ouais, mais du coup... Ok. Bah. Il veut pas le reprendre. Il est où? J'ai pas de place dans l'inventaire donc il a... Ah non mais il me le... Ah et c'est juste qu'il me le met plus en raccourci mais je suis con. C'est juste qu'il me les mettait pas en raccourci et du coup je croyais que j'en avais pas. Putain je suis trop teubé. Ouais ouais c'est moi qui suis trop. Ouais mais j'ai l'habitude qu'il y ait d'avoir de la place et jusqu'à maintenant il me les mettait dans les raccourcis donc je l'avais dans la main tu vois et là il me le met pas dans la main. Du coup ça va perturber. Là, il faut quoi pour faire la salaison? Du sel tout simplement. Ah, c'est que les pochons, merde. Ouais, t'as gagné. Bah, puis y'a pas beaucoup, bon. Pour l'instant, hein, je sais pas trop. Hein. Alors, on a dit qu'on allait essayer notre porte. On va se mettre peut-être pas trop à côté parce que. Un endroit où c'est profond. Voilà à quoi sert les tuyaux, on va se mettre un peu large. Hein. On voit que ça va plus loin là. Bon, c'est chill, hein, y a pas de souci, mais. Des musiques un peu différentes, une ambiance sonore un peu plus. Solo-séantesque. Le son est pas très assourdi en réalité là. Attends, faut pas que je m'approche trop de toi. Ah oh, putain, ça c'est insupportable. Ça c'est un truc. Alors. Bon, on met la pompe. Non mais. Eh ben prends-la. Faut que je la mette en raccourci. D'accord, et comment ça fonctionne? Ah non, d'accord, il faut que je la jette sous l'eau et elle flotte. D'accord, après. Très bien. Du coup, après. Ah, ok, oui, d'accord, ça fait un fantôme du. Ok. Ah. Ah merde, non, j'en ai posé un, mais. Ah oui. Attends. Ah, ok, d'accord, puis. Ouais, le magnétisme est un peu pété, quoi. Putain, mais comment tu peux pas t'en rendre compte parce que... Oh, que c'est compliqué. Et à quoi ça sert, en vrai? Oh, on s'en fout, on est parti. Hein. Par contre, c'est bien, c'est que ça les enchaîne. T'as pu? Bon, j'en ai un qui est gaspillé un peu. Et alors après, quand je viens là, du coup... Je me tienne à côté, c'est ça? Et ça me remonte l'oxygène. Ouais, putain, le système merdique, quoi. On dirait un truc de dessin animé. Enfin, merdique. C'est juste que ça fait très dessin animé. Attendez, je vais reprendre celui-là. Non! Voilà. On dirait des trucs de cartoon. On dirait Bugs Bunny. Vers le bas. C'est mignon. Bon, c'est rigolo. Ok. Ça, c'est pareil. Il faudrait une petite balise un petit peu. Comme quand tu sais, tu vois le fantôme de ton escape pod, il faudrait aussi que tu saches où tu es. Parce que comment tu veux que je me repère sous l'eau quand il fait nuit ou c'est le truc, quoi. Bon, bref. Je me sens pas à l'aise de toute façon rester dans l'eau. J'aime bien retourner dans mon escape pod. De toute façon, je suis obligé parce que sinon je peux pas. Ah merde. T'as ça, mais faut les trouver. Qu'est-ce qu'il faut que je trouve? D'accord. À
fallait que je les scanne. Ouais, bon, la lampe elle est un peu merdique, hein. Excusez-moi. Eh ouais, mais merde, c'est toujours la même merde. Non, en fait, c'est pourri les tuyaux en fait. C'est nul à chier. Hein. Parce que déjà, faut les retrouver. Ah merde, c'est pas où il est mon tuyau. Il est où? Oh, l'enfer. L'enfer. Ouais, j'ai pas sauvegardé avant, je crois. Ah oui, mais ça sert à que dalle en vrai. Tant que t'as pas un meilleur truc d'oxy... Ah oui, ça sert à rien du tout. Moi, faut que tu fasses 65 km de tuyau, quoi. Faut littéralement que tu l'amènes avec toi. Ouais, non, mais enfin... C'est une blague, quoi. Je crois que tu perds juste ton matos, en fait, mais... Ouais. Ah mais du coup, okay, j'ai ce qu'il y a dans mon coffre, quand même. Oui, ça, je le perds pas. Non, la lampe, je peux le défaire, ça? Je peux pas le déconstruire, ceci? C'est de la merde, en fait. Ah bon, c'est le maximum? Oups. Emergency. A quantum detonation has occurred in the Aurora's drive core. The reactor will reach a supercritical state. On va regarder ça. Ah bah, c'est un spectacle. Brûle-moi, enfoiré. C'est comme regarder une explosion atomique. Une explosion quantique, ça me défonce pas la gueule. Putain, un petit pro, c'est même pas une vague quoi. Ça fait pas une vague le truc. Ah bah, sans blague. Ah si, ça a bousillé mon truc, trop bien. Et tu pouvais pas me la filer avant, tête de le. Maille de fibre et plomb. Alors, qu'est-ce que j'ai en plomb? Ça. Maille de fibre, comment on fait ça? Oh, ça, je peux en trouver. Et le plomb, bah j'en avais, mais. Just, ouais, ouais j'en avais si la maille de. Ok, maille de fibre, il faut les extraits de vigne de machin. Bon, ça, c'est facile à choper. On va aller chercher ça déjà. Putain, bah trouve ton plomb, quoi. T'es pas dans les trop grandes profondeurs, ça va. Un Dimion. Et de moi oublier, ah oh, oui. Tu m'oublieras chaque semaine, chaque année, et tout autour de ton cou. Nanana. Les machins verts. Bah là, on vient de se prendre une petite truc atomique dans la gueule, des radiations bien comme il faut dans mon cul. J'ai construit un système de tuyaux pour respirer sous l'eau qui sert littéralement à rien. Et bref, je joue aux jeux vidéo, quoi, tu me connais. Ok, bon là, ça va suffire, je sais plus combien il en faut, mais... Alors maintenant, on va falloir trouver du plomb en pleine nuit sous l'eau. Allez, vas-y, cherche. Je sais plus combien il en faut, du plomb. 30 seconds. Tellement de farmage, je sais, mais de toute façon, c'était... Mais c'était pour tester, parce que tu vois, il y avait la version dev, alors... Mais je définitive, mais voilà, non, ce sera juste pour ce soir. Balance ton plomb. Soirée d'Orvrit. Ah bah oui, du coup, vous vous ramenez à 21h, comme d'habitude, j'ai commencé à 20h. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Ah, il en faut deux. Fuck. Fuck. Est-ce que je vais en trouver l'autre? Bah, ça va être coton. Bon, après, c'est vrai que le game over est pas si punitif que ça. Tu perds un peu les objets que t'as fermés, j'ai l'impression. Mais, voilà. Je peux en ramasser de ça, mais je peux en retrouver du plomb. J'ai eu du bol tout à l'heure. Dans une grotte, je crois, mais au niveau de ça, faire du farming tout seul qui est pas automatisé. Alors, No Man's Sky, il y a l'automatisé. Enfin, si après, j'imagine que oui, ça doit pouvoir construire des machines qui te récupèrent des trucs et comme ça, mais enfin, ça, c'est pas le genre de gameplay moi qui m'intéresse aussi. Tandis quoi qu'il arrive, ouais, mais regarde, je suis déjà. Ah, bah, désolé, ça va pas être le mien en 10 murs. Mais je peux comprendre qu'on y prenne du temps, mais moi ça m'intéresse pas de farmer. Même si celui-là. Tout le monde parle en même temps, c'est agaçant. Celui-là, s'il y a des trucs scénarisés, je peux déjà plus comprendre. Même celui-là, l'univers, genre, voilà. T'es sous l'eau, c'est mouillé, tout ça. Oh, putain, ça c'est insupportable, bordel. Fixez-moi ça, quoi. Bon, bah, c'est cool.
Je vais crever encore, trop bien. J'aime bien crever. C'est ma passion. C'est pas ça que je voulais. Si, c'est ça. J'avais plutôt mon matos. Ouais, j'ai perdu. Ah, mais j'ai pas tout perdu. J'en perds certains, pas d'autres. On dirait sèche-cheveux, machin. À voir en vidéo. Oh non, hein, en vidéo, c'est encore plus chiant. Bien, si tu y joues pas, j'ai même pas l'intérêt, quoi. Oh bah non, non, c'est pas un jeu qui se joue, ça. Qui se regarde. Enfin, sauf pour moi, bien sûr. Aïe, subscribe. Mais, hein, Subnautica, sub à la chaîne. J'attendrais bien qu'il fasse jour, perso, là. Mais oui, c'est intéressant, le compte à rebours du vaisseau qui explose, qui t'oblige à... C'est intéressant. Ça pimente un peu la vie du truc, ouais. Ouais. Bon, par contre, là, tu vois, pour trouver des ressources comme le plomb, mais tu peux pas savoir où les trouver, c'est pas possible. Parce que le plomb, moi, je l'ai trouvé au pif, c'est un gisement, quoi. Et va te repérer, il n'y a aucun point de repère, c'est très très tendu, quand même, à ce niveau-là, je trouve. Ah, de l'or, bah tiens, c'est la première fois que j'en trouvais. Pouf, là, si j'en ai besoin plus tard, bah... Je sais pas si je pourrais en retrouver. Alors, à moins qu'il y ait une logique, hein, que certains poissons t'indiquent... Le soufre. Ah oui, oui. C'est vrai, on avait dit ça aussi. Je l'ai raté, il y en avait. Ah oui, mais non, c'est toujours bugué. C'est toujours ma même plante qui bug. Ah, il faudra que je remonte, hein. 30 secondes, ça sert à rien que... Je vais aller déposer mon or pour pas qu'il me le vole si je meurs. Du coup, j'ai plus de place dans mon inventaire. Ah non, c'est pas ça. Le coffre. Hop. Ah, mais c'est qu'il est plein. Oui. Bah, ça, on va le bidouillifier. Est-ce que j'ai besoin de bouffer? Ouais, allez, tiens. Ça, on va le jeter après. Je sais pas, je peux pas jeter les trucs directement. Hein. J'ai une pile qui me reste, c'est l'intérieur, la fusée. Bon, ça, j'en ai une tête à chier, je sais pas pourquoi. Voilà, ça. Et ça, on va acheter après. Alors, ça, tu me jettes là. Et voilà. Trouvons du plomb. Ah, ça peut mettre 3 plombes. À trouver du plomb, t'as compris? C'est toujours la même grotte, mais j'ai trouvé de l'or, je trouve du plomb. Les poissons, ils font pas beaucoup de bulles. Hein. Bon. Ben, je souffre bien assez, tout à fait. 30 secondes. C'est stressant, tu vois les caisses, tu peux rien récupérer, c'est fatigant. C'est pas bien, c'est frustrant. Ouais, ouais, toi aussi. Faut que je fasse de l'eau en plus, faut que je trouve mes sacs à bouse là. Allez vite! Non, c'est bon! Scanner, ouais, je l'ai, je crois. Bouteille d'eau 2 améliorée, bah je l'ai déjà. Non, assez standard ça. C'est vrai que je l'avais fabriqué une améliorée. Oui, merci, Kay. Kay, nous les bons tuyaux. Kay, quand elle me dit 30 secondes, après 10 secondes, tout ça, oxygène, en général, je le fais. En général, parce que des fois, non. C'est marrant, quand tu coupes dedans, ouais, ça te donne la ressource, tu la chopes après, quoi. Ça freeze. Ah. Ah merde, attendez, je me suis pas mis en pause. Non, je vais pas te perdre. C'est pas chez moi. C'est vous qui faites du souffle, là? Non, c'est pas vous. Attends, il faut que je trouve mon truc pour la bouffe, là, sinon je vais encore être comme un con. Je les trouve plus, mes poissons à bouffe, c'est toi? Pourquoi ils ont tous comme des gros yeux et tout? Ils sont tous dégueulasses. T'es passé, bah écoute, je sais pas.
J'aimerais bien. Putain, je flotte un peu mieux que ça. Là. Alors, truc amélioré. Il faut du verre et du titane et de l'argent. Bah, j'ai encore jamais vu d'argent. Donc, je sais même pas où j'en trouve. C'est à quoi ça ressemble. C'est trop vaste. Ah, putain. Sensation que je trouverai jamais ce qu'il me faut. Je vais galérer à déambuler au hasard pour trouver telle ressource au pif, quoi. Ah. Mon gameplay. Un bout de bitonio qui dépasse, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça que j'ai pris? Ah bah, comme par hasard. C'est bizarre quand même, hein. Est-ce que le jeu repère les plans que je regarde et il se dit tiens, il doit avoir besoin de tel matos. Ah, du sel, c'est vrai, ils sont trop durs à repérer les machins de... Des trucs rocheux, les petites excroissances. Ah non, mais je comprends que tu adores. Moi, je n'aime pas vraiment du tout, en fait. Ah, il faut un truc. T'as des trucs, des fois. Scanne les caisses, mais des fois, il veut pas... Ah, merde J'avais pas vu, je regardais le chat. Rip. Putain, mais j'avais trouvé des super trucs, en plus. Vous faites chier. C'est pas marrant, je suis désolé, c'est l'usine quoi, c'est pas le jeu vidéo, c'est l'usine, t'es là, bah faut que tu te traînes, tu passes du temps, un temps fou à faire un truc, c'est assimilé à du travail quoi, enfin, pas spécialement fun en plus quoi, enfin, ah non, le gameplay c'est marcher puis appuyer sur un bouton de temps en temps quoi, enfin voilà. Non, puis c'est ce côté, voilà, c'est ce côté des 3-8, c'est l'usine. Faut que tu fasses tout seul. Ouais, c'est pas mon genre de truc. Mais attention, je reconnais ses qualités en disant, et je comprends très bien qu'on puisse l'apprécier et passer beaucoup de temps, ça y a aucun souci. Je le comprends tout à fait. Ouf, c'est pas mon genre, Micheline. Je vais appeler Micheline. C'est pas mon genre. Mourir asphyxié, moi? Ça va, c'est pas Eurotruck. Mais Eurotruck Simulator est bien aussi, hein. Eurotruck, c'est aussi débile, on va dire, mais je trouve ça assez fascinant, Eurotruck Simulator. Je sais pas pourquoi, l'attraction de la route, ouais. Ah, celui-là, il a l'air un peu plus... ouais, enfin, faut quand même aimer être dans l'eau. Ah, putain, merde, d'oxygène. Vraiment. Non, c'est pas fun. Le mot fun, là, est peut-être un peu exagéré, mais... Dans le sens fun, dans le sens plaisir immédiat, tu vois, c'est un truc... C'est tellement chronophage, mais c'est que j'ai pas le temps. Mon esprit. Non, puis moi je suis peut-être plus de l'espace et. J'ai plus de kiff à prendre mon vaisseau, à partir tac. Où je veux, tandis que là je suis coincé sur un machin, je peux pas m'éloigner de mon truc de survie trop loin, parce que de toute façon j'en ai besoin pour créer machin. Je suis très. Assez progressif, comme dirait Perceval. Hein, tu commences, qu'est-ce que ça fait? Ah, c'est ça qui fait de l'oxygène. Ah, non, c'est pas ça. Ah, ils font des petites bouffées. Ah, c'est comme Sonic. C'est comme dans Sonic, il faut se mettre au-dessus des trucs qui font des bulles. Quartz. Ah, c'est ça que je cherchais, non? Attends, il y a un truc à la con, là. Qui fait du soufre. T'es où? Non, il est dangereux, c'est jamais... Oui, dangereux, c'est déjà plus action, quand même, non? Enfin, avec commerce et tout ça, mais ça m'intéresse pas, ça. No Man's Sky. Tant que je suis là, je récupère des trucs. Allez. Voilà, du quartz. Bon, je crois que c'est bon, on va remonter, on va pas risquer de crever, je vais voir si j'ai ce qu'il me faut. Et il est dangereux, j'en entends parler depuis un moment, oui, bah depuis que, comment il s'appelle, Star Nak Citizen fait parler de lui, quoi. Parce que tout le monde me dit, ouais, mais il est dangereux, il est déjà sorti, il est mieux, machin. De l'explo aussi. Ah, ok. Ouais, non, mais après, même moi, ce que je veux, c'est du scénarisé, c'est du Wing Commander. Ouais, mais si je souris à 30 secondes, je vais jamais dans l'eau. Ouais. Alors, il me fallait quoi? Oh, je sais pas, je vais mettre les trucs que j'ai, on va voir. Qu'est-ce qu'il faut? Oui, non, mais c'est pas ça. Alors, on avait dit. Attends, je sais plus ce qu'on avait dit. Je sais même plus qu'est-ce que je veux fabriquer. Ah, il faut du verre aussi, il manque un titane.
réservoir standard, j'en ai un. Du verre, ah du verre, on fait ça comment? Je sais déjà plus. Ah oui, mais merde. Franchement, on peut retourner voir, faire un tour maintenant. Bon, il y a toujours pas de quête et le farming est aussi absolument dégueu. Encore que je sais pas lequel est le pire entre celui-là et No Man's Sky. C'est que No Man's Sky, il y a du farming et les étendues sont démesurément grandes. Donc c'est ça qui est un peu hystérique dans No Man's Sky, c'est beaucoup trop grand pour rien. Mais ils ont rajouté une quête et c'est ça qui manque. Moi, il me faut du Wing Commander, moi c'est ça que je veux. C'est des quêtes, pas du commerce ou être commerçant. Je veux pas être commerçant, putain. Je veux pas être auto-entrepreneur dans un jeu vidéo, c'est bon. C'est déjà l'arnaque dans la vraie vie. Donc voilà. Faut encore que je fasse du verre, mais j'ai plus de quoi. Bon bah c'est cool, on s'éclate. Le verre, c'est le quartz. Le quartz, c'est la vie. Les bruits métalliques, bah oui, mais non, mais j'en ai plus de quartz. Et Yann les plous. J'ai du titane, tiens, gogo. Putain, puis j'ai plus de place non plus, j'ai fabriqué plein de trucs là. Ça, on va en jeter 2-3 là. C'est ça qu'on peut pas jeter par terre aussi, c'est débile. On va pouvoir jeter par terre. Ça, je sais pas à quoi ça sert la batterie là, on a pas besoin de ça. Bon, je vais arrêter là parce que j'en ai vraiment rien à battre de jeu. Je suis désolé, hein. Je le savais d'avance, donc voilà. Je vois bien qu'il est cool et tout, mais jamais, jamais j'aurai la patience, putain, de faire ça, quoi. Ça va être le pire genre de jeu pour moi, quoi. Mais moi, ça a commencé avec Shenmue, quand il a fallu commencer à travailler dans le jeu pour gagner de l'argent. Bon, c'était pour les trucs annexes, mais je me dis, quel intérêt de vouloir faire un job dans un jeu vidéo où t'es pas censé bosser, tu vois, c'est pas ça qu'il faut faire. Oh non, famine. C'est le pire truc dans les MS, c'est les animaux. Si les animaux étaient intéressants, qu'il y avait un vrai cycle de vie, comme dans Monster Hunter, en plus léger, tu vois, mais ils font n'importe quoi. Ils se baladent random, ils font rien d'intéressant, il n'y a rien à étudier en vrai. Mes enfants, ça les intéresse parce qu'ils ne voient pas tout ça. Mais c'est les animaux en plus, tu les vois que c'est généré aléatoirement avec des bouts de chiens et des bouts de girafes, ça ressemble à rien. Non, c'est le truc raté de No Man's Sky, c'est vraiment les animaux. Pour le coup, c'est vraiment une promesse qui n'a pas été tenue. Bon, bah désolé, Subnautica. C'est non pour moi. Un gros nom, mais comme prévu, ça enlève évidemment rien. Je vois bien les qualités du jeu, il n'y a pas de souci. Toute technique, c'est impressionnant et je doute pas que c'est un vrai écosystème un peu intéressant, encore que ça a l'air timide de l'écosystème. Mais ouais, non, c'est non. Enfin, je m'imagine pas farmer comme un taré pour construire une base. Dans quel but? Vous me dites qu'il y a un scénario, mais c'est trop dilué dans le temps, quoi. Puis moi, c'est la priorité. Le scénario, ça a pas l'air d'être la priorité du truc. Donc, bah non, 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 non. Mais quand même. Ouais, ça aussi. J'avoue que le mec a été un peu aussi mis sous pression par Sony et les joueurs. L'attente était trop grande. Il l'aurait sorti à 30€ comme à mon avis c'était prévu avant que Sony s'en mêle et demande d'exclu console. Les gens auraient râlé, mais il aurait peut-être passé en early access le jeu en plus, hein, sans Sony. Et ce serait passé comme une lettre à la poste. Ouais, on met à jour le truc, machin. Mais bon, bah le gars Sean Murray, il a une occasion en or, quoi. Il a dû avoir des thunes de Sony pour l'exclu et voilà. C'est malheureux, là, c'est un peu malheureux. Bon, est-ce qu'on joue à autre chose ou pas? Là, j'arrêterai le replay. Il y a Zerbillion, c'est tout ce que j'ai. J'ai pas le petit jeu d'horreur que j'avais prévu, qui était pas fini de télécharger du coup, parce qu'il était pas dispo. Tiens, attends, on va voir. The Apartment. Je sais pas si c'est le même que celui que j'avais fait. 7Go. Combien de temps il met pour choper? Si tu sais pas dire non. C'est-à-dire. Ah, au truc des joueurs, bah c'est No Man's Sky. C'est Star Citizen, quoi. En plus que le mec. En plus, Chris Roberts, bon, il est un peu ingérable, quoi. Non, bah le jeu d'horreur, ce sera pas pour ce soir. Je sais pas pourquoi ça. Il me dit que j'en ai pour 3 ans. Ouais, il télécharge super lentement, là. On va laisser tourner un peu. Bah, il y a ça.